On se propose de dédier la réponse de dipôle RL à un échelon de tension. Pour cela, on réalise un circuit branché en série formé par un générateur de tension de force électromotrice E égale à 5,5 volts lié à un interrupteur simple, puis à une bobine d'inductance L égale à 1 Henry et de résistance petitaire égale à 12 ohms qui est branché à son tour à un résistor de résistance R 100 ohms. Voilà. Puis on a branché aux bornes du pôle RL, bobine à résistor, une diode lumineuse qui nous permet d'éviter l'étincelle au niveau de l'interrupteur K à l'ouverture de l'interrupteur. On se propose ensuite de visualiser la tension aux bornes du pôle générateur de force électromotrice E sur la voie CH1 et la tension aux bornes de résistor de résistance R 100 ohms sur la CH2. Visualisation de la tension aux bornes du générateur de tension de force électromotrice E égale à 5,5 volts et la tension aux bornes du résistor de résistance R égale à 100 ohms au cours de l'établissement du courant continu dans le dipôle RL. Donc, comme vous voyez, c'est l'écran de l'oscillo, les deux tensions sur la voie CH1 et la voie CH2, les deux voies sont fonctionnelles. Donc je vais commencer par les réglages nécessaires concernant le réglage vertical, deux voies, réglage horizontal et trigger. Je vais commencer par le réglage vertical pour le CH1. Voilà, c'est le CH1. Là, vous allez avoir le couplage toujours DC, limite de BW off, le voltage sensibilité verticale, il est bien. Donc, sonde c'est 1 fois X. Pour l'inverseur, on n'a pas besoin d'inverser la tension au bon ordinateur. Donc, c'est off. Ok? Voilà. Maintenant, je passe pour fixer l'origine de tension pour la voie CH1. Voilà. Donc, voilà, comme vous voyez, l'origine de tension pour la voie CH1 est fixé. Voilà, j'ai passé maintenant pour fixer la sensibilité verticale en utilisant ce bouton pour le CH1. Je vais le considérer 1 volt par div. Voilà, c'est terminé pour le grage vertical de CH1. Je vais passer pour maintenant régler le CH2. J'appuie sur le bouton CH2. Donc, même manière que le CH1, couplage CD, limite off. Volt par div bien au centre, 1 fois X, on n'a pas besoin d'inverser la tension en borne de résistor, c'est off. Je passe pour le réglage l'origine de tension pour le voie CH1 avec ce bouton. Donc je vais considérer la même origine de tension que CH1. Les deux origines sont confondues de CH1 et CH2. Voilà. Donc ça c'est l'origine de la tension de CH1 et l'origine de la tension de CH2. Voilà. Pour la sensibilité verticale de CH2, je vais fixer avec le bouton sensibilité verticale. Donc, je vais le considérer comme étant la même sensibilité verticale que le voie CH1, c'est-à-dire 1 volt par div. Voilà. C'est terminé comme ça avec le réglage vertical de deux voies CH1 et CH2. Je vais passer maintenant pour le réglage horizontal de temps. Ok, voilà. Donc je vais fixer d'abord l'origine de temps. Comme vous voyez, curseur d'origine de temps. Voilà. Ça se correspond à l'origine de temps pour les deux voies, CH1 et CH2. Donc ce point correspond à l'origine de tension pour les deux voies CH1 et CH2 et l'origine de temps. Maintenant je vais fixer la sensibilité horizontale pour les deux voies. Donc, puisque taux égal à L sur le grand R du petit R, et vous avez L 1 Henry au grand R 100 ohms et petit R 12 ohms, donc taux égal à L sur le grand R du petit R, ça correspond à pratiquement 8,9 millisecondes. Pour cela, je vais considérer la sensibilité horizontale, presque la moitié, c'est presque 5, avec ce bouton de sensibilité horizontale, 5 millisecondes. 5 millisecondes par div.
plus importante qui nous permet de visualiser les tensions d'une façon convenable. Donc pour cela, je vais passer pour appuyer sur le bouton trigger. Ça va. Ici, on observe ce qu'on appelle le type crête. Source, il y en a deux choix, source et H1. On peut fixer, si vous voulez, le trigger et les tensions de déclenchement, soit c'est le voie CH1 ou c'est le CH2. Comme vous voyez, voilà, ça c'est le CH1 et ça c'est le CH2. Pour nous, on va fixer la tension de déclenchement, c'est la voie CH2, c'est la tension de hier. Le pente, il y en a ce qu'on appelle le sheet, lorsqu'on a une courbe décroissante ou de bi, c'est au sheet, un cherki, ou un loss, c'est-à-dire montée, c'est-à-dire courbe va être au début croissante de la voie CH2, la IR, mode normal, ou le couplage CDC. Ça va? Voilà. Cette manière-là, on a terminé avec les trois réglages de vertical, horizontal, trigger. Maintenant, on peut fermer l'interrupteur où on observe les deux tensions U, borne générateur, ou tension borne de résistance. Voilà. Maintenant, je vais essayer de fermer l'interrupteur. Ça va? Et on visualise en même temps les deux tensions, borne de générateur et borne de résistance. Bismillah. Voilà. Voilà. Comme ça, on peut refaire l'acquisition pour avoir une courbe. Voilà. Comme vous voyez, les deux tensions de générateur par la couleur bleue, tension borne de résistance, c'est la couleur jaune. Maintenant, comme vous voyez, je peux utiliser le bouton Restop. Ici, j'utilise le bouton Restop. Ça sera l'oscilloscope est carrément déconnecté de circuit. Je peux débrancher carrément, voilà, l'oscilloscope du circuit. Donc, l'acquisition observée, c'est l'écran se conserve, voilà. Et je peux manipuler, si vous voulez, les deux courbes de UG ou UR sans être l'oscilloscope connecté à notre circuit. Donc, si on a besoin de visualiser la tension borne de la bobine, si c'est possible, donc sans avoir troisième voie tant que l'oscilloscope contient seulement deux voies, je peux utiliser dans ce cas-là ce qu'on appelle le bouton MAT. Ça va? Lorsque j'utilise le bouton MAT, j'observe une troisième courbe de couleur rouge. Cette courbe-là, ça correspond à la tension au bord de la bobine. En effet, vous avez loi de Mayer, circuit RL, établissement du courant continu, I bobine plus IR égale à E, pour I bobine égale à E moins IR. Donc, il suffit de faire la soustraction, même une tension au bord de générateur ou tension au bord de résistor. Donc, comme vous voyez ici, ce bouton-là, il y en a la source A, les CH1, c'est le CH1. L'opération C moins, il y en a l'opération fois, sur la division et la somme, ou la soustraction. Et je vais retrancher de la source CH1 une tension CH2. Ok. Donc je vais essayer d'observer la courbe donnée par la différence entre force du générateur ou tension borne de résistor. Cette courbe là est donnée par la couleur rouge, mais quand même on doit fixer l'origine de temps de la courbe rouge à la même origine de tension et même origine de temps que les deux voies CH1 et CH2, et je dois choisir la même sensibilité verticale, évidemment avec le bouton sensibilité verticale, couleur rouge, comme vous voyez, bouton mat, doit être choisi sur 1 volt par div. Voilà, c'est 1 volt par div. Donc j'ai fixé l'origine de temps de la courbe rouge, c'est 1 volt par div, l'origine de temps, même origine que le CH1 et CH2. Ou la sensibilité verticale, si vous voulez, c'est 1 volt par div. Voilà, comme vous voyez. Donc CH1 ou CH2 ou le bouton mat, fonction mat, sont tous donnés à la même sensibilité verticale, 1 volt par div. Donc on va visualiser maintenant la tension au bord de la bobine. Attention au bord de la bobine. Voilà. Donc ça c'est l'origine confondu de trois tensions. Voilà.
Comme ça, on observe la tension en borne de la bobine. Donc, ce qui est en bleu, c'est la tension en borne du générateur. Ce qui est en jaune, c'est la tension en borne de résistor. Et ce qui est en rouge, si vous voulez, la tension en borne de la bobine. Comme vous voyez cette différence de tension-là, ça correspond à la tension aux bornes de la bobine de régime permanent petit R Imax. De même, cette différence de tension, ça correspond à la tension petit R Imax aux bornes de la bobine dans le régime permanent.